Maintenant que Mickey Mouse a remis sa feuille, sa fiche de travail qu'il a annotée dans le cahier, là, on va aller vous montrer comment que le professeur Tournesol va aller voir et donner une note à ça. Alors, pour faire ça, il pourrait aller simplement à travers vos devoirs et ouvrir ça et voir remis. Une autre façon de voir ça que je voulais vous montrer, si on va au petit menu ici, on peut toujours aller à corriger et on voit tous les devoirs qui sont à corriger. Alors, voyez-vous que ceux qui n'ont aucune date limite sont listés là. Ceux qui ont des dates limites sont listés là. Alors, je vais aller dans la planète. Je sais qu'il y en a un qui a été remis. Et bien sûr, c'est celui de Mickey Mouse. On va l'ouvrir. Et puis, voilà son travail. Et Mickey Mouse n'a pas l'air à savoir comment écrire son nom parce qu'il écrit le mien. Ah ben, OK. Alors, tiens, je vais donner à Mickey Mouse 50% pour effort d'avoir mis le nom de quelqu'un. Et puis, je pourrais mettre un commentaire, OK? Et puis, je vais rendre le devoir. Et puis, voilà, rendre. Il y a des façons de rendre plusieurs devoirs à la fois, qu'on va peut-être voir plus tard si on a le temps. OK, alors, c'est tout pour le processus de Camille. Vous pouvez, comme prof, il faudrait installer Camille sur votre compte aussi, parce que je vois que je ne l'ai pas installé, mais vous pouvez annoter aussi avec ces outils-là. Alors, peut-être utile d'installer Camille dans votre compte aussi.